Salut à tous les addicts. Donc, ouverture supplémentaire de Tins Dracofeu. Trouvé chez Carrefour, c'est les moins chers. Ils sont à 10,90 €. Ailleurs, vous les trouvez plus chers à 13, 13,50 €. 13,50 € au plus cher, à peu près. Moi, j'ai payé 13,50 € chez Jouet Club. Les deux premières et ensuite les six autres à 10,90 € chez Carrefour. Alors c'est parti, je vais commencer par ce petit booster là, je pense que ce sera le meilleur des deux. C'est ma main qui le dit, on va voir si je me trompe ou pas. J'ai bien dit le meilleur des deux, hein. J'ai pas dit que ça va être la folie. Hein. Et pourtant, je sens rien du tout. C'est parti. Super bonbon, Galégon, Emolga, Love Disc, Pijako, Yanma, Scalpion, Mister en reverse et Mouflon en rare. Bon, bah, comme d'hab, hein, il va falloir que J'espère que c'est pas le compte sur meilleur ma des deux femme alors. pour remonter le niveau, hein, comme d'hab. Hein. Pas le choix. Oh, je crois que je l'ai ouvert. Nickel de chez Nickel, lui. Ouais, bah, il était temps parce que c'est super fragile. Pas l'air foufou. Cravalanche, Attrape Pokémon, Otaria. Calyxique, Galekid, Riolu, Etourmi, Nabil en reverse, il me semble qu'on l'a déjà, et seulement un Pyrax. Donc écoutez, elle est même pas au lot. Pour le moment, les gars, c'est la clim là, comme on dit. Donc là, on commence à faire pas mal d'ouvertures. Là, c'est la troisième, même si c'est la plus petite des trois. Et en tout cas, on n'a toujours pas de gold. Hein. J'ai pas pu mettre la main sur le TB. Parce que j'étais chez Micromania ce matin, vers 11 h à peu près. Et ils m'ont dit qu'ils étaient fait dévaliser. Ils sont passés dès l'ouverture. Ils ont tout pris comme c'est les moins chers. Ils sont à 59,90 comme PQ Toys. Après les autres, ils sont plus chers, 62,50 €. 65 et 70 € pour jouer club, par exemple. Donc, du coup, il faudra J'arrive pas. que je t'en trouve ailleurs. Et de votre côté, essayez de nous dire un petit peu ce que vous avez pu avoir au niveau des coffrets. Parce que je ne sais pas si vous avez réussi à mettre la main sur le TB. Sinon, les teens, oui. Oh, ou les Mais coffrets. j'ai Parce que une pour moi, j'ai reçu. l'impression que dans le coffret, c'est là où il y a le moins de choses par rapport à toutes les vidéos. Et du coup, dites-nous ce que vous avez eu pour savoir un petit peu ce qu'il y a Boule de nœud. dans les coffrets, Paolo. dans les teens, dans les tri-packs et les ETB. Parce que pour le moment, on a l'impression que c'est dans les ETB qu'il y a le plus de choses. Et dans les tri-packs ensuite, les teens en troisième position. Et dans les coffrets, apparemment, c'est là où il y a le moins de bonnes cartes. Donc, on va essayer de vérifier ça ensemble. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pu avoir de votre côté. Donc, là, la petite carte énergie. Oh, c'est rien de fou. Hein. Elle est jolie, mais voilà, c'est. C'est pas la folie quoi, c'est pas Ouais, la carte où on voilà. fait waouh! Je vais pas sauter de joie non plus, quoi. Mais c'est bien de les avoir quand on fait le Master Set, il faut l'avoir, mais pour le moment, c'est très 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 léger. Hein. Sachant qu'il y a énormément de TG qui sort par booster. Oh là 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 là, quelle Deux catastrophe. teens catastrophiques. Ah ouais, là. Catastrophique. Ouais, je pensais parce qu'on est un petit peu dans la période avec Astérix. Là, t'avais Ouais, j'ai pas fait passé exprès. à la télévision. Il y a le nouveau qui est au cinéma, donc forcément, il y a des restes de Gaulle. Donc voilà les gars, pour cette ouverture supplémentaire, et ben rien. Juste une énergie.
J'espère qu'on va pouvoir compléter un petit peu la série, mais franchement, non, je pense pas, la plupart, on les a déjà. Donc c'est ça, le pire dans l'histoire, c'est qu'on va pas compléter notre série.